je vous dis simulation spatiale, gestion économique, conglomérat, vous pensez à quoi ? EVE Online, bien sûr. Le MMORPG de CCP fête ses 14 ans cette année et continue de proposer un univers toujours plus riche et réaliste. Néanmoins, la puissance du jeu ne réside pas dans son gameplay, ni dans ses graphismes, mais dans sa communauté. Un groupe de joueurs passionnés qui a su au fur et à mesure des années aider le jeu à grandir et à s'améliorer. Le mot qui me vient en premier à l'esprit, c'est l'engagement. Il y a un tel niveau d'engagement de nos joueurs pour amener EVE Online et nous-mêmes toujours plus loin. Quand je suis sur scène et que je présente les annonces pour CCP, nos ambitions, je sens très clairement cet engouement. Comme le jeu propose cet univers où les gens se rencontrent, se font des amis, accomplissent quelque chose ensemble, les joueurs veulent continuer dans ce sens, ajouter leur contribution à l'ensemble. Et si le jeu de CCP continue de rassembler autant sa communauté, c'est grâce à des ajouts et des améliorations régulières. Et cette année ne déroge pas à la règle. Un des gros ajouts à venir dans EVE Online est la possibilité pour les Blood Riders, incarnés par l'intelligence artificielle, de créer leur propre chantier naval où ils pourront construire des vaisseaux-mères. Et si vous voulez avoir l'aval sur ces vaisseaux, vous allez devoir combattre les Blood Riders, mais ils ne vont pas se laisser faire. Et puis les joueurs vont aussi se battre entre eux pour en prendre le contrôle. S'il y a une annonce qui a retenu notre attention, c'est bien le projet Discovery. Celui-ci offre la possibilité aux joueurs d'EVE Online d'aider l'Observatoire de Genève dans sa recherche de nouvelles planètes en dehors de notre système solaire, les fameuses exoplanètes. Michel Mayor, l'astrophysicien à qui l'on doit la découverte de la première planète extrasolaire, était présent lors du FanFest 2017. Il a profité de sa conférence pour expliquer la démarche. Les joueurs ont dorénavant accès aux données des satellites des scientifiques, disponibles à tout moment dans le jeu. Entre deux parties, ils peuvent analyser ces données et partager le résultat de leurs observations. Un vrai travail de geek qui permettra à terme d'agrandir les connaissances de l'univers physique. Une superbe contribution du virtuel au réel. Vous avez des planètes qui tournent parfois relativement proche de l'étoile, et donc il y a une probabilité assez forte que la planète passe devant l'étoile. Et donc, si vous mesurez la lumière, la luminosité de l'étoile, vous voyez une petite baisse périodique de l'étoile. Et donc, c'est en analysant simplement la luminosité des étoiles au cours de plusieurs années que l'on peut détecter ces planètes. Donc, les gens vont recevoir cette série de données luminosité et ils vont chercher à voir ces baisses de luminosité. Et puis, c'est seulement si plusieurs joueurs mettre la main sur le même système, qu'à ce moment-là, il y aura une alerte qui sera donnée à des professionnels. J'espère que grâce à ce projet, nous apprendrons quelque chose sur notre univers. Mais je souhaite également qu'il nous permette d'améliorer le monde d'EVE pour qu'il puisse se rapprocher de la réalité. Toute personne qui y joue vous le dira, EVE Online est plus qu'un jeu. C'est une famille, une passion qui dépasse les frontières jusqu'à atteindre les membres de CCP eux-mêmes. EVE Online fait désormais partie du patrimoine de l'humanité, si on veut. C'est un phénomène qui va au-delà du simple jeu vidéo. Pour moi, on arrive vraiment à un point où le jeu vidéo devient de la culture, au même niveau que les autres formes d'art. Je trouve ça incroyable. Mon souvenir le plus marquant, c'est la première fois où l'un de mes vaisseaux a été détruit dans EVE Online. Le traumatisme psychologique que j'ai ressenti à cet instant m'a véritablement fait réaliser la puissance du jeu que nous venions de créer. Fundamentally helped me understand the power of what we had created.